Salut mes Nakamas, c'est Log, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, on va regarder c'est un lot de Shite et aussi de Genga. Et par contre, je suis dégoûté car je sais pas si on peut le voir juste là. Je me suis tapé des frais de douane, 80$ de frais de douane. Donc voilà, donc c'est complètement un gros n'importe quoi. Ce sont des documents papier, donc c'est marqué dessin fait à la main. Et bim, j'étais taxé. Alors, je comprends parfaitement, je sais que comment fonctionnent à peu près les douanes. C'est quand tu importes quelque chose de l'étranger, tu payes des frais par rapport ici. Mais je suis d'accord pour payer des frais de douane quand c'est quelque chose qui est vendu aussi dans le pays. Vu que toi tu les achètes moins cher autre part, tu payes un petit peu les frais par rapport à ici. Donc pour les figurines, c'est sûr que ça fait chier, mais en un sens ça peut se comprendre. Mais là personnellement, pour des documents dessinés, en plus c'est pour, encore une fois, c'est pour mon projet de musée ou quoi que ce soit. Donc là je peux dire que quand le facteur m'a envoyé ça, j'étais assez dégoûté. Donc là voilà, maintenant j'espère que dans le lot de Shite il va en avoir vraiment des très très bons, parce que là j'ai quand même encore un petit peu au travers de la gorge. On va commencer par les Genga, et j'ai choisi ce lot tout simplement parce qu'il y avait Luffy en version Lushi. Après on le voit plus dans le manga, donc j'en avais déjà loupé un qui était pas mal, donc je voulais pas louper le deuxième parce que j'ai pas mal de Shite, et encore une fois dans le musée ça pourrait être vraiment classe. Donc là on peut le voir ici, il est avec collé sur le dos de Ushi, donc ça c'est ok, c'est bon. Ok, là on a le B2, donc encore une fois vous voyez là c'est marqué B1, B2, donc ça c'est l'autre qui est juste après. La tête est vraiment pas mal. Et après, on a en B3, donc ça, c'est parfait. Et ok, parfait. J'avais choisi aussi celui-ci parce que il y avait des... c'était un Genga de Oh putain, il est excellent. Voilà, c'est pour ça, c'était un Genga. On m'avait dit que ça allait être un Genga de Momonosuke version dragon. Et il est excellent, il est excellent. Il y a plein de petits ronds, je sais pas à quoi correspondent les ronds exactement. Mais tout ce que je sais, c'est que les croix que vous pouvez voir ici, 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 ça indique justement à la personne qui va le coloriser qu'il ne doit surtout pas ancrer à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Ok, la tête est vraiment excellente. On voit qu'il y a des petites traces de gommage. On voit qu'il est en train de tirer la bouche ou quelque chose. Là, on a le bras de Luffy, justement. C'est vraiment très, très bon. Ok, donc ça, pareil, c'est des petites choses. Oh, putain, il est excellent, celui-là. Ah, je sais pas si vous pouvez le voir. Il est magnifique. Là, on le voit de profil. Ah, c'est vraiment classe. Vraiment, vraiment classe. Ah, pim. Ah, là, c'est... Ah, c'est génial. C'est génial. Ah, je suis content de ce lot. Vraiment. Non, non. Un très, très beau lot. Ça va être vraiment excellent. Il y a de quoi faire quelque chose parce qu'encore une fois, j'ai les Shite. Donc, pour les Genga, c'est mission accomplie. Maintenant, c'est parti pour les Shite. Un petit lot de 50. Et déjà, le Luffy version couleur, il est vraiment, vraiment classe. Après, bon, ça, on est traditionnel. Oh, génial. Un Dillinger. Je savais que j'en avais eu un la semaine dernière. Enfin, il y a à peu près 2 semaines. Mais il n'était pas en couleur. Je sais pas si c'était celui-là. Ça, c'est vraiment très, très bon. Parfait. Ça, c'est génial. Ok, la Robin, toujours le Frankie, traditionnel. Un Rebecca, traditionnel. Rebecca, traditionnel. Le papa, traditionnel. Ok, bon, bon. Ah, Cavendish, toujours bon à prendre. Koala, mais Koala, je l'avais déjà. Koala, je l'avais. Barto, ok. Ok, donc ça, Pika, toujours pareil. Bon, bah ça, c'est un look que j'ai pas mal. Ok. Ok, par contre, je sais pas si c'est... Ah, par contre, ça, c'est vraiment très, très bon. Je l'avais pas en couleur, donc ça, c'est parfait. En plus, il est pas coupé. Il est vraiment nickel. Donc ça, c'est une bonne chose. Celui-là aussi, c'est une bonne chose. Eux, je crois que je les avais déjà. King, le roi Elisabello, ça, c'est parfait. On est encore dedans. On est encore dedans. Ok. Bon, tout ça, c'est quelques-uns. Ok. Elle, je ne l'avais pas, la Tontatas, je ne l'avais pas. Il y en a quand même pas mal en couleur. Pareil, celui-là, je ne sais pas si je l'avais. Ah, génial. Bon, voilà. Bah, voilà, ça, c'est génial. Donc, on devrait peut-être avoir peut-être une petite Sugar. Là, c'est quand ils sont transformés, justement, en petit ours. Donc, là, on arrive toujours sur des décors. Ok. Ça, c'est la chute qu'on voit à l'usine de Smile. On est encore dans du décor. Par contre, je pense que j'en ai quelques-uns. Ok, donc là on voit des numéros. Ah, ça c'est bon ça. Faudrait que je retrouve l'épisode, mais ça c'est toujours bon quand on a les signes comme ça. Le Colisée, traditionnel. Ah, bien. Quand ils sont entourés comme ça, c'est des Shite qui sont de décor, qui sont en version finale. Donc ça c'est parfait, ça c'est l'île quand ils accostent. En plus, il correspond... Ah, c'est génial, ça correspond parfaitement au Genga que je viens d'avoir. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que Luffy pète un plomb contre Momonosuke qu'on voit qui est juste au fond. Donc ça c'est vraiment très très bon.
le traditionnel qu'on a toujours. Ok, donc là on passe en Luffy. On va voir notre petit Luffy. Ah, génial, je l'avais pas, et ça encore, c'est un qui est super rare. Parce que tout simplement, c'était que un épisode, un ou deux épisodes. Ah, c'est génial. Ça, c'est vraiment très très bon. Le Zoro, ok. Notre petite Nami. Un petit Usopp. D'accord. D'accord. Ok, donc celui-là, je l'ai aussi. Oh, génial. Génial. Il y a c'est pas mal. C'est pas mal. Épisode 676. Quand il est au sol, ah, pas mal. Pas mal. Et en plus, il y a des petites inscriptions par rapport à l'épisode 679. C'est vraiment classe. Vraiment classe. Content. Un crayonné que j'avais déjà, mais c'est toujours bon à voir. Notre petit Brook. Le lot, mais je crois que le lot, il avait été coupé à un moment. Donc là, il est bon. Tiens, encore lui. Bon. Traditionnel. Ok, ça c'est parfait. On voit qu'il y a un petit morceau de scotch. Momonosuke. Je sais pas si je l'avais dans cette version. Rebecca. Cavendish, on est toujours pas... Ah, je l'avais le cheval, mais je sais pas si je l'avais justement avec les ombrages, donc ça c'est toujours bon à prendre. Le roi Riku, quand il est... Ah, Riku, c'est quand il est par rapport... Je vais y arriver au moment où arrive Doflamingo, ou c'est seulement quand il parle à Kiros, je sais pas. Bah mal, ça c'est bon, ouais, très très bon. Ça c'est... comment il s'appelle, je sais plus son nom. C'est le garde du, c'est le sort de garde du corps par rapport au roi Riku. Mais ça, c'est la version pendant le flashback. Monet. Excellent, excellent, vraiment génial. Le petit marteau des familles, toujours bon à prendre, mais que je possède déjà. Je l'ai. Je l'ai. C'est peut-être la version jeune, mais j'ai quand même là où j'ai. Putain, si je pouvais avoir... Ah, Gladius. Ah, je vous en supplie que j'ai Gladius. Ah, génial, pareil. C'est pendant le flashback du roi Riku quand Doflamingo arrive. C'est génial avec les diamantés. D'accord, Pika, exactement la même chose. Là, bon, ça on en a déjà. Celui-là, je l'ai aussi, ce document. Ok, comme j'avais dit une fois, un joli petit cul. On arrive sur les combattants du Colisée. Ok, donc les combattants du Colisée, je suis quand même content de les avoir car j'en avais certains, mais ils étaient coupés. Là, ils ont l'air d'être en pleine page, donc on reprend toujours. Ok, celui-là, je l'avais aussi. Je l'avais aussi. Ok, on y va. Donc ça, pareil, hop. Toujours bon à prendre, je les avais pas. C'est des personnages secondaires, mais c'est toujours bon à prendre. Pareil, des personnages secondaires avec justement... C'est toujours bon à prendre. Ça va, ok. Notre petit Léo que j'avais déjà. Ça, c'est à la suite. Ah, génial, avec le Zoro avec la moustache pour voir la taille. C'est très très bon, encore. Ok, ah, oui, j'avais déjà eu, je l'avais déjà celui-là, je l'avais déjà, mais c'est toujours bon, ok, donc ça, on est deux. Génial, déjoué, pareil, c'est rare, donc c'est toujours bon. Ça, c'est quand c'était dans les sous-sols, c'est pas mal d'épisodes. Ushi, je ne l'avais pas en version comme ça, c'était quand il a encore sa corne, puis là, sa corne est cassée, donc ça, c'est parfait. En plus, j'ai une version d'un, là, on voit, mais là, c'est un... C'est un Genga et avec un décor, donc c'est un layout de l'épisode 664. Donc si j'ai l'épisode, si j'ai le storyboard de cet épisode-là, je vais pouvoir l'utiliser. Il y en a d'autres aussi. C'est génial. Oh, génial. Faut que j'ai le storyboard 664. Je vais pouvoir faire un truc de fou avec Kenframe. Ah, excellent. Excellent, excellent. C'est génial, c'est génial. Ok, donc là on arrive toujours. Donc celui-là, je l'avais déjà. Je l'avais mais en mauvais état, donc ça c'est toujours bon à prendre. Le voilà. Donc lui, je l'avais pas, je suis content. C'est quand il est justement avec Ango. Je l'avais en couleur je crois la dernière fois. Donc là on arrive sur le Luffy. Les gears que je possède. Oh génial. Génial, j'aurais bien aimé l'avoir en ombrage. Mais tant pis, je l'ai de cette couleur là. C'est Zoro justement quand il a son déguisement. Donc ce qui serait génial c'est d'avoir aussi celui-là de Kinemon. Ok, donc là on arrive sur les... Ok, je vais dire beaucoup de ok, justement, Kinemon. Qu'est-ce que tu fous là, toi, bel ami? En enfant, je sais pas si je l'avais, mais c'est toujours bon, hein, c'est toujours bon, parfait. Je crois que je l'avais, pas mal. Roi Riku avec des crayonnés, toujours bon. Pareil, ah, c'est génial, avec les deux jambes, je sais pas si je l'avais eu la dernière fois avec les deux jambes, mais ça, c'est très, 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 très bon.
Il y a des beaux petits trucs quand même. Il y a des beaux petits trucs. Ok, donc là on est toujours dans les traditionnels. Ah bah voilà, une que j'avais pas, l'ami de Rebecca, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Très très bon, très très bon, très très bon. Content. Des petites perles comme on aime bien. Ok, ok, ok. Ok, donc là on est dans les combattants du Colisée. Alors, le long jambe. Ah là là là. Allez, encore des petites surprises, encore une petite surprise, ça pourrait être pas mal. Parce que là, j'en ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup que je possède déjà. Ok, donc ça déjà c'est bon, c'est Léo en version avec des dégâts. Donc ça c'est parfait. Et là on voit que c'est l'épisode 672C117, donc c'est le cut 117, donc ça c'est parfait. Elle, je l'avais pas, ou même si je l'avais pas en crayonné. Donc c'est... Ah là il y a des crayonnés, les crayonnés sont super durs à trouver. Parfait. Là avec un petit truc qui a été écrit, toujours bon à prendre. Ok, ça on l'avait la dernière fois, est-ce qu'il est là le mec avec la tête de maison juste sur le dessus. Le bateau que je vous parlais la dernière fois, que je savais pas ce que c'était, bah, je pense que c'est encore une fois un bateau qui était dans les sous-sols. Bon, le Tucson Sunny. Ok, ok. Ah, ça c'est encore bon ça. Donc ça c'est le Colisée que je n'avais pas, cette version-là du Colisée. C'est parfait, encore des documents qui ont servi 6-4. Donc ça c'est des documents qui ont servi justement je sais pas, mais ça on peut reconnaître que c'est peut-être l'eau quand il est sur son trône de cœur. Les dessins comme ça en crayonné sont super durs à trouver, parce que ça c'est vraiment des ébauches des épisodes. Et là on peut voir justement qu'il y a un poisson qui marche, et ça doit être Luffy en version poisson quand il arrive par le passage secret qui est juste à côté. Ça c'est vraiment excellent. Tous les petits, ah les petits dessins comme ça avec où on remarque un petit peu comment est le plan de la ville et tout. Ça c'est vraiment génial, parce que c'est vraiment l'arrière de là justement il y a un truc qui se passe avec une explosion. C'est vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Donc là c'est à l'envers. Je sais pas du tout ce que c'est. Ok. Là, ah c'est ça, ça doit être Franky quand il arrive. Là on voit que c'est une sorte de, non c'est, oui. C'est franc. Ah, je sais plus, je crois que ça doit être au moment où justement Sugar a combat les Tontatas. Donc je pense qu'il y avait quand même Franky qui était présent, qui est dessiné ici. Oui, encore une fois, là c'est pareil. Donc voilà, alors un lot quand même bon, parce qu'il y a pas mal de trucs inédits à l'intérieur. Mais l'inconvénient, c'est que j'en avais quand même pas mal en double. Comme d'habitude, j'espère que ce type de vidéo vous plaise. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo. Parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes nakamas.